c'est un moment très important aujourd'hui. C'est un jalon dans le développement du port, avec l'arrivée de ce quatrième portique, donc un portique à conteneurs supplémentaires, un outillage destiné à charger, à décharger les navires. C'est un deuxième jalon après un premier qu'on a posé en 2015 avec l'approfondissement du chenal d'accès au port de Guadeloupe, de 11 mètres à 15 mètres. C'est directement en lien avec l'augmentation de la taille des navires. Dès 2016, les navires qui desservent la Guadeloupe ont augmenté de 30% en capacité d'emport. Et d'ici le mois d'avril, le début du mois d'avril, il y aura un nouveau saut de 30% supplémentaire. Donc on est vraiment dans une phase de croissance importante de la taille des navires pour gagner en termes d'économie d'échelle et gagner sur les prix du transport maritime. Et ça, c'est bon pour les prix à la consommation et les prix d'importation des différents produits. Quatre portiques, c'est absolument nécessaire pour la nouvelle taille de navires que nous accueillons. C'est la garantie de décharger et de charger ces navires dans le même temps qu'auparavant, alors qu'ils ont pris plus de 50% d'augmentation sur les 5 dernières années. Voilà, c'est une nouvelle étape qui commence pour le port de Guadeloupe, qui rentre encore un peu plus dans la cour des grands.